Je suis à Vitry-sur-Seine, les Cocos, dans le 94. Et je vais vous emmener avec moi chez Emmaüs. C'est le bâtiment là-bas. On va traverser, on va y aller ensemble. Pierre et Marie Curie à Vitry-sur-Seine. Vous voyez, on va aller voir un peu ce qu'ils ont. Tout au bout, vous avez les bâtiments. On va aller chiner, mais je crois que je suis un peu arrivée à la fin parce que ça ferme tôt. Je crois que ça ferme vers 17h, quelque chose comme ça. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a du 11 avril au 8 juin 2023 une tombola solidaire à 5 euros le ticket avec une petite fête, restauration sur place. On va voir un peu. Là, vous avez la caisse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais... vous allez fouiller, vous allez trouver ce que vous voulez. On vous donne un ticket et ensuite vous allez en caisse et vous payez. Et après vous allez retourner voir pour récupérer votre objet, notre achat. Donc là c'est les vêtements, les sacs. J'aime bien celui-là. Alors, enfants et adultes au même endroit. Ah, il y a des robes. Robes de soirée. Combien elles coûtent ? 40 euros. Les enfants, les adultes, hein. Tout est mélangé. Hein. Les cabines d'essayage là. Attendez, j'aime bien de loin là. Il n'y a pas toujours les prix. Hein. Des fois, il faut aller en caisse. En fait, c'est la dame qui est dans la petite cabane là-bas. Et elle vous donne le prix et vous allez payer à la caisse. Là, il y a les enfants. Là, je vois rien. Voilà, la dame là-bas, elle, c'est pour les chaussures. Vous voyez les vieilles valises vintage. Affinité, c'est une bonne marque. J'aime bien. Donc là, il y a les chaussures. Moi, je vous avoue, les chaussures, j'aime pas trop. Je préfère les prendre neuves parce qu'après, te déformer les pieds. Hein. Combien tu fais ? Il y a une valise, regardez. Et là, il y a des sacs. On va faire un tour rapide hein, parce qu'on est à la fin. Il y a les prix là. Pantalon pour les hommes, 3 euros. Alors on continue. On va aller voir le bric-à-brac vaisselle. J'aime bien, je cherche toujours... de l'arc opale, ce genre de choses. Alors, je vois pas de la vaisselle en arc opale. Il y a ça, mais c'est super. Vous voyez, j'aime ça, mais... C'est ça que je veux, mais pas usé comme ça.
Et j'aime bien les vieux vases aussi, mais là j'en vois pas. Ça c'est pour faire les terrines en bas. Ah! Petit verre à thé. Bon, après, il faut fouiller. Hein. Moi, j'aime bien aussi fouiller dans les tableaux. Ou alors, vous pouvez récupérer les cadres. Parce que les cadres, hein, c'est pas donné. Alors, je kiffe aussi, c'est les poulbeaux. Oh, regardez celui-là. 5 euros. Le chien, là, c'est 20 euros. Alors, d'habitude, je regarde les poulbeaux, mais là, j'en vois pas. Vous avez des verres. Ça, c'est pour le vin blanc, là. Vers, alors voyez, vous choisissez, vous allez voir le monsieur en là, il vous donne un ticket et après vous allez en caisse. Alors en vase, il n'y a que celui-là, mais ça ne me plaît pas. Alors moi je cherche la vaisselle, les tableaux, les livres. Oh, regardez les assiettes crêpes. Sympa. Le bœuf charolais. Ça, alors le thermomètre, bon, on oublie, hein, mais regardez pour tempête, grande pluie, variable. Très kitsch. Celui-là, il coûte 30 euros. Ah, mais je pourrais pas ici pour le robinet. Tout ce qui est boîte aussi, j'aime bien. J'ai trouvé des boîtes très sympas ici, hein. Des boîtes en métal. Boîte à thé, Edia. Des fois, il y a des mines d'or, hein, dans les boîtes. Vous avez aussi des tapis là-bas. Le petit coq portugais. Coucou les portugais. Le clown. Là, vous avez en vitrine des couteaux, regardez. Euros. Bon, là il n'y a pas ce que je veux, les bougeoirs ils sont sympas. Bon, je vois pas trop, pour l'instant il n'y a rien qui me plaît. J'aime Tunisie ça. Ah, j'aime bien les bols comme ça, ça vient souvent de Bretagne. Par là. Ah, et pour faire du temps, alors là c'est les livres. Je passe souvent du temps ici. Hein. J'adore les livres de Noël. J'adore. Des livres. En veux-tu, en voilà. Des vieux pins. 24 et 3, ça fait 27,50. Ça fait 30. Non, elle devait faire 31, sa haine. 31, 31.
Vous avez les DVD, les CD. Ça va partout. Hein. Les disques. Moi, j'aime bien venir chiner les livres de Noël, là, les albums. Bon, je vous fais un tour rapide, hein, parce que je vous dis, on est à la fin. Le combat des chefs Astérix. Donc là, vous avez des romans. Vous avez le prix des livres, en fait. Les albums enfants, c'est de 1 à 4 euros, mais vous avez le prix à l'intérieur. Les BD ados et adultes, c'est 2 euros. Les livres scolaires, 2 euros. Les grands romans, c'est 2 euros. Les poches, 1 euro. DVD, 1 euro. CD single, 50 centimes. Les vinyles, 1 euro les 45 tours et 2 euros les 33 tours. Là, vous avez des dictionnaires. Théâtre, poésie, langue étrangère. C'est bien classé quand même. Hein. Bon, j'ai pas trouvé de livre de Noël. J'ai pas trouvé de BD, j'ai pas trouvé de roman. On va changer de rayon. J'avais l'électro, Wi-Fi, tout ça. Oh les boss. Les télé, tout ça. Même un vieux vélo. Tout le monde va bien. Non, moi, je vous avoue que j'achète pas trop. Je fais pas trop confiance. Hein. Au fond du magasin, vous avez des meubles. Cuisinière. Des poussettes. Ah, une poussette pour les tripler, regardez un peu. Voilà, vous avez les casques. Hein. Alors, tous les pots là, pour les petits. Là, c'est les jouets. Là, il y a plein de puzzles. Si vous aimez les puzzles, ça vaut le coup, hein, parce que c'est beaucoup moins cher. Vous voyez, 3 euros un puzzle, Ravensburger. Vous avez des peluches, tout un tas de jouets. Là, vous voyez, les jouets, ils coûtent assez cher dans le commerce. Ben là, vous les avez à 10 euros. 10 euros, ça. 10 euros aussi. Le renne, la bascule, en très très bon état. Alors après, il faut vérifier hein, si les jouets sont complets ou pas. Mais ça peut être intéressant. Hein. Surtout que les jouets coûtent cher. Regardez celui-ci, il est impeccable. Donc si vous avez la possibilité de stocker, vous pouvez acheter en avance pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires. Regardez encore un jouet à bascule. Ça, ça coûte vraiment cher dans le commerce pour les enfants, ce jouet à tirer. En plus, il fait de la musique, il a des petites balles. Je vous ai dit, au fond du magasin, vous avez tout le mobilier. Des tables, des bureaux. Oh, c'est joli ça. Le train à deux pupitres Napoléon III, 200 euros. Il y a des choses vraiment... Pour les tables, ça vaut le coup. Hein. Le bureau, là. Ah, le vieux bureau, il est pas mal, là. Bon, après... faut les entretenir. Hein. Faut leur donner un petit coup de neuf. C'est pas un buffet Henri II là que je vois. Si, ça c'est du Henri II. Bon là il monte la poignée. €60 là le secrétaire. Si vous cherchez des chaises. Humble, €100 avec les chaises. Après, des fois, les chaises, faut faire attention, hein. Faut pas que ce soit bancal. €800, là, l'ensemble. Bon, les coussins, faut les refaire, ça, c'est évident. Ils sont dead, les coussins. Ouais, dead. Bon, après, c'est pas du tout mon style, mais... Si vous aimez... Le petit meuble, là. Table. 20 balles.
en roulette. Vous mettez un petit coup de hop, nettoyage. L'armoire là, c'est du vrai bois. Attendez. Ah ouais, 80 balles, c'est du vrai bois. Bon après, elle a des coups. Hein. Mais il existe des stylos pour refaire ce genre de bois. Ah ouais, non, non, ça, ça vaut vraiment le coup. Bon après, elle est basse. Elle est basse. Mais alors 80 euros, quand je vois que du faux bois, ça coûte 10 fois plus cher. Comme cette commode, 80 balles la commode, c'est du vrai bois. Ah oui, et elle est brodée, regardez. Que pour les poignets, vous imaginez les poignets, combien ça coûte? Démontez les poignets, vous pouvez les démonter hein, par l'intérieur. Moi j'avais acheté une commode, super, hein. Que racheter les poignets, ça m'a coûté super cher. Ah, elle est très très belle. Alors ils ont aussi un service de livraison, je crois. Ça c'est une tête de lit. 20 balles la tête de lit. L'avantage en fait, c'est que vous trouvez du vrai bois. Ça c'est pas mal. Un meuble à Posca. Alors mon fils, 50 euros plus les clés. C'est joli ça, j'ai la clé. Ah ouais, 50 euros. 50 euros. J'ai la clé, c'est très joli. C'est vraiment sympa, ouais, pour mettre les Posca. J'ai ses affaires personnelles. Ouais, monsieur, messieurs. Alors, mon fils fait beaucoup, beaucoup d'art et il a énormément de Posca. Alors, effectivement, si vous êtes dessinateur professionnel ou même si vous avez beaucoup de Posca, j'avoue que le meuble, il vaut le coup. 50 euros. Bon, en plus, il a la roulette. Moi, je ne vais pas lui acheter, hein. C'est un enfant, on ne va pas se mentir, mon petit assistant, c'est un enfant. Mais... parce que vous savez qu'un Posca, ça coûte super cher. Hein. Alors, est-ce que je vais passer? Je vais passer ou pas? Parce que j'ai grossi. Vous savez les cocos que j'ai pris. Oh là, je ne vais pas vous dire, mais j'ai grossi. Je vais passer. Alors ça, c'est du marbre. C'est recouvert en marbre. 200 euros. C'est style Napoléon, ça. Hein. Là, j'espère que je ne me trompe pas, parce qu'il y en a que je connais moins bien que d'autres. Alors, voyez là. Bon, vous me dites, il y a des traces et tout, mais ça, ça se nettoie. Il n'y a pas de souci. No souci. Mais les tables ici, attendez, je vais voir cette table-là, m'attire, mais je crois que celle-là, elle vaut vraiment le coup. C'est du vrai bois, elle s'ouvre. On fait un bond, on va sauter comme ça, on va sauter. 20 euros. Elle vaut le coup parce qu'elle s'ouvre. Il suffit de la nettoyer un peu, de la poncer. Bon, je préfère un pied central. Elle a un pied central. Alors, elle est bien. Non, non, franchement, regardez le bureau ici. 320 euros quand même, ouais. Alors ça, c'était un buvard, en fait. Bon, après, ça, faut le refaire. Ça doit coûter. Hein. Ça, c'est les bureaux des notaires, des médecins, etc. Ouais. Bon. Ça coûte. Hein. Alors je vous dis, moi je chine, hein. Mais vous voyez, c'est des hangars comme ça. Alors je donne beaucoup, et puis voilà. Oh, je mets la main, c'est froid, c'est du marbre. Je chine. Mais là, je trouve pas mon bonheur. Vous voyez les fauteuils ici, gimbal. Vous refaites juste l'assise. C'est parce que là, bon, il est bouffé au mythe, hein. On va pas... il est usé, hein. C'est l'usure du temps. Si vous êtes doué en couture. Alors moi j'aime bien chiner les brocantes, tout ça. Alors j'aime bien regarder la vaisselle, là j'ai pas eu mon bonheur, les livres j'ai pas eu mon bonheur. Pas de vase, pas de vaisselle. Bon, c'est pas grave. Je vous ai présenté au moins l'Emmaüs, il est sympa. Les gens sont très sympas. Puis vous trouvez du vrai bois. Et faut pas vous arrêter comme ça aux tâches. Ça se nettoie, hein. Ça se nettoie. Également des béquilles, des chaises, alors, tout ce qui est chaises de bureau, etc. Ça vaut le coup. Regardez là-bas, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que du vrai, vrai meuble. Et tout ce qui est lit bébé. Bon, après, c'est chiant parce qu'on ne peut pas les déplier, les lits parapluies, là. Mais il y a des lits parapluies. J'aime bien ça, c'est kitsch. Mais au coin du feu, vous savez. Posez votre petit café et puis là vous posez vos revues. Quoi qu'on... plus de revues. Alors maintenant on met un bouquin quoi. Ok.
quand vous achetez un truc, on va vous donner un ticket Emmaüs. Et puis avec ça, vous allez en caisse, qui est la caisse centrale. Et après, vous revenez et récupérez votre affaire. Sympa, hein? Voilà. Même un four à encastrer, 60 euros. Ah non, il est vendu. Marqué vendu. L'eau, etc. C'est un tas de trucs pour faire du sport. Vous donnez, il revit. Vous en rêviez, nous l'avons réparé. Vous donnez, il répare. Vous achetez, elle respire. C'est bien en fait. Hein. Indépendamment que c'est pas cher, ça fait revivre les articles. Hein. J'aime bien, moi, la girafe. Bon, j'ai pas eu de chance aujourd'hui. Ah, je vous ai pas montré le livre. Regardez en haut. C'est sympa la déco. Hein. Je suis revenue ici, mais je vois vraiment pas de vaisselle. Je voulais vraiment un vase. Pas de vase. Alors des fois, on peut prendre aussi des carafes vintage en fait pour faire un vase. Il n'y a rien du tout. Bon, bah tant pis. Hein. Pas d'assiette. Vintage, pas de carafe, parce que voiliers là, elles sont trop passées. Pas de tableau, pas de problème. Ce sera pour une autre fois. Elles sont mignonnes quand même les petites tasses, mais moi je bois que dans des mugs américaines comme quand j'étais aux States. Bon, bah, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Entrée là. Je vais retourner juste voir les vêtements parce que. Chercher pour ma mère un t-shirt. Elle a lavé beaucoup trop fort et ça a tué son t-shirt. Je vais voir si je trouve son t-shirt. Et là-bas, vous avez aussi plein de cravates. Prix des vêtements femmes. Pantalon 2 euros, chemise 2 euros, pull 2-3 euros, t-shirt 1-2 euros, costume 8 euros, veste 5-7 euros, doudoune 7-8 euros, robe 3 euros, jupe 2 euros, gilet court 2 euros, manteau entre 8 et 15 euros. Et vous avez le linge de maison qui peut être utile aussi si vous voulez faire de la couture. C'est les affiches de ceux qui travaillent ici. Donc je vais aller en caisse. J'ai pris pour ma mère deux vêtements là. Voilà, on sort. Après, vous avez des ventes spéciales. Et la machine à café, à thé, à gâteau. Attendez de voir. Voilà. Petit vlog de Marius Rapidos. En fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai pris deux vêtements. Je vais vous montrer. 3 euros. C'est la marque Affinité. En fait, ma mère, elle a grillé ses t-shirts. J'ai pris celui-ci. J'ai pris l'autre, là. Candle, comme marque. Or, il m'a l'air un peu grand, mais elle aime porter large. Ouais, ce CXL. Franchement, ça ira très bien, parce que je sais pas ce qu'elle fait. Enfin, faut dire qu'elle est âgée. Bon, j'ai pas vérifié s'il manquait des strass ou pas, mais il est en coton. Voilà, les deux pour 3 euros. Et on va prendre une petite boisson, petit café en fait, et puis on va se rentrer. Voilà, ça c'était c'est les ventes spéciales, attendez voir. Août, c'est fournitures scolaires ben, pour la rentrée. 9 septembre, jouets anciens, ça peut être sympa. Bon, ben voilà. Ben, je vous laisse et si vous appréciez mes vidéos, lâchez un petit pouce. Prenez soin de vous.